Mila Jasmine est aujourd'hui une personnalité incontournable de la télé-réalité française. Participante dans de nombreux cross, notamment ceux des Marseillais versus le reste du monde. La jeune femme a décidé d'évoquer sa vie privée dans les colonnes de Public. Et comme de nombreuses stars de télé-réalité, elle a eu recours à des interventions pour modifier son apparence. Mila Jasmine regrette-t-elle certaines de ses opérations de chirurgie? La jeune femme a décidé de répondre cash à cette question en évoquant son passé de gogo danseuse. Je le fais pour me redonner confiance en moi à une période de ma vie où j'étais gogo danseuse et on ne va pas se mentir, c'était plus vendeur d'avoir de grosses fesses et des gros seins, confie-t-elle. La belle brune est alors revenue sur les raisons qui l'ont poussé à devenir danseuse en boîte de nuit. Quand je suis arrivée aux États-Unis, à seulement 21 ans, je n'avais pas de papier, donc j'ai pris ce qu'il y avait. Ça m'a donné beaucoup de confiance en moi d'être désirée par des hommes, mais je n'ai pas assumé pendant longtemps parce que les gens confondent ça avec de la prostitution. D'ailleurs, on m'a accusé d'avoir été escorte, ce qui est totalement faux, regrette-t-elle. Mila Jasmine, il ne fait pas partie de ce milieu et qui me rend très heureuse. Mila Jasmine est également revenue sur sa vie amoureuse et a donné quelques détails sur celui qui fait battre son cœur. La seule chose que je peux vous dire, si est qu'il s'appelle Lorenzo, qu'il ne fait pas partie de ce milieu et qui me rend très heureuse. L'influenceuse est heureuse et pense déjà au futur avec ce mystérieux Lorenzo. J'aimerais bien avoir une grande famille, comme celle dans laquelle j'ai grandi. Enfin déjà un, ce sera pas mal. Voilà de jolis projets en perspective pour celle qui a vous touché entre 20 000 et 100 000 euros par mois. Loading DJ.